Et donc salut à tous les amis, c'est Aishi et on se retrouve pour une ARAM sur League of Legends. Oui, du League of Legends sur ma chaîne, il n'y en a jamais eu. J'ai plutôt l'habitude de vous faire du Minecraft, mais voilà, j'ai fait une petite partie hier soir en ARAM avec Vi, j'avais l'old recorder. Et cette game était plutôt sympa, donc je décide de vous la commenter en différé, c'est la première fois que je fais ça, je vais essayer. Là j'arrive dans le tas, boom, voilà. Je vais direct faire des kills, vous allez voir. Hop, il fait le first blood. Non, même pas, je sais même pas si moi je fais le first blood. Donc, je suis un petit peu en retard dans la partie parce que j'étais parti chercher à manger. Le chargement était déjà terminé. Et donc, Vi, c'est mon main, mon perso que je joue le plus souvent, que j'adore. Donc, vous allez voir dans cette game, je vais faire des moves assez sympas, comme des moves assez cons, mais c'est assez rigolo. Donc, au niveau de mon stuff, je suis parti sur une côte de maille, une lame de Doran, puis des popos quoi. En ARAM, c'est important les popos. Donc je vais jouer vachement défensif là de la tourelle pour pas qu'on perde. Il est plus tank, c'est vraiment le rôle que je préfère jouer. En tank, enfin. Là, on y va, on y attaque. Là, un kill. Je vais essayer de choper le Vladimir, mais je sais pas si je vais l'avoir. Oui, c'est bon, doublé. Le triplé, le triplé. Ouf. Hop, il me casse avec moi, ça c'est bien pour partir, il vit l'avantage du A. Bon, là je vais écrire dans le chat No Pinta. Est-ce qu'on va le voir? Je vais pas lui filer son Pinta quand même. Donc au niveau des gold, ils ont un petit peu d'avance sur nous. On est à 6-6 kills. Je vais afficher le score. Au niveau du score, je suis déjà à 4-0 pour moi, pour ma part. Par contre, au niveau farm, 3 sbires, mais ça on s'en fout. ça va venir après. Je sais même pas si j'ai eu beaucoup de sbires ou pas dans cette game. Voilà. Donc là, je suis niveau 6, donc j'ai mon ulti, je vais pouvoir aller bien les défoncer. Hop. Ça c'est fait. On y va, on défonce le Nautilus. Là, on finit le carry. Une petite prime de 307 PO pour le Nautilus. Hop, le lab. C'est même pas moi qui l'ai eu, mais j'ai eu l'assist. Hop, et on le finit lui. On va prendre le soin et on se barre. À ce moment-là, j'ai hésité à me suicider sous la tourelle pour pouvoir back avec mes gold, mais finalement, non. Hop, je pars avec très peu de HP, 38 points de vie, normal. Mais je suis encore en vie. Je vais pas me suicider tout de suite, je vais attendre un petit peu pour avoir encore un peu de gold. Est-ce que je peux voir combien j'ai de gold ici? C'est la première fois que j'utilise LOL Recorder, donc je connais pas vraiment l'interface. Au niveau des gold, je sais pas écrire. Bon, bah, je suis toujours à 5-0, 5 assistances. Hop, un petit soin, comme ça je me refais. En ARAM, j'ai tendance à souvent prendre du vol de vie parce que c'est important. Vu qu'on peut pas battre pour se soigner, j'aime bien avoir un peu de vol de vie. Donc je crois que je vais partir sur une lame du roi déchu tout à l'heure. Histoire d'avoir du vol de vie et de pouvoir régénérer quoi. Hop! Je vais aller l'aider parce que je me serais fait défoncer. Hop, ils essayent de prendre notre tour mais ils vont pas l'avoir tout de suite. Hop. Dans la game j'étais avec ton subconscient. Je vais vous mettre son Twitter dans la description. Elle commence à jouer à LOL donc elle était niveau 13. Donc j'essayais de lui apprendre et de l'aider. Moi je suis pas un très... on va essayer de faire aussi. Hop, ça c'est fait, j'ai eu la 6, j'avais pas eu, voilà, on est mis comme des fonds. Donc je sais pas si je me suis pris. Voilà. Et donc moi je suis que niveau 25 hein, donc j'ai pas encore toutes les bonnes mécaniques de jeu et tout, mais bon j'essaye de me débrouiller comme je peux. Je suis pas trop intéressé par les ranked pour le moment, donc ça fait plus d'un an que je joue à League of Legends, j'ai fait des pauses de plusieurs mois des fois. Donc là j'ai repris dernièrement, je m'y suis remis assez sérieusement, et ça m'avait manqué.
Et je fais des bonnes petites games, ça m'amuse bien. Donc là, on monte. Là, je reste un peu derrière parce que j'ai pas beaucoup de HP, mais sinon j'ai tendance à aller comme souvent devant. C'est vrai que j'aime bien bourriner, et d'ailleurs des fois, c'est un peu mon défaut ça. J'aime bien aller bourriner, aller dans le tas. C'est pour ça que souvent je joue tank, que je prends plein de vie, je vais tanker et je défonce tout. Alors, là, on les laisse venir. Moi, c'est... on voit pas quand je cible. Et souvent, je ciblais à l'équipe pour leur dire de venir derrière la tourelle, pour les forcer à venir devant la tourelle. Hop, là, c'est parti. Là, je zoom. Hop. Je vais taper le Vlad. Donc, je vais aller chercher le Grave. Survie, je reviens sur moi. Donc au niveau des kills, je suis à 6-0 et 10 assistances, donc je suis toujours pas mort. Vous allez voir comment je vais mourir, ça sera plutôt sympa. Enfin, si on peut appeler ça une mort. Hop, je enlève le score pour le moment. Donc là on n'a pas beaucoup de vie, donc on va pas faire les fous. On reste sous la tour. Elle a encore pas mal de vie notre tour, ça va, on est tranquille là-dessus. Donc là ils vont arriver tous ensemble. Au niveau des teamfights ça va, on arrivait quand même à bien gérer quand on allait tous dans le tas, on s'en sortait bien. Au niveau des kills ça se voit, on est à 19 contre 11. Au niveau des golds, on a 2 golds d'avance, 2 minutes gold d'avance. Hop. Allez. Ah, ça va être le moment d'attaquer. Hop, c'est parti. Dès qu'il engage, moi je suis. Allez, hop. Hop, j'ai pris le Nautilus. On va aller chercher le Vlad. J'ai pas eu le Vlad. Hop, je prends le Grave. Hop, je me suis fait des assists. C'est bien. Je sais même pas si j'ai pris un kill ici. Je vais remettre le score. Voilà, je suis à 8-0. Là, je décide d'aller me suicider histoire de back. Voilà, un petit coup de tourelle. Comme ça, ils vont pas avoir mon kill et ils vont pas avoir la prime pour me tuer. Hop là. Là, j'ai le suicide. Maintenant, on va regarder ce qu'ils font eux. Je repop dans 10 secondes. Hop. Au niveau de mon stock, je me suis acheté quoi moi? Voilà, donc je suis parti, donc j'ai fini ma cape solaire et j'ai fait une maille du gardien. Ceinture du géant, ça c'était pour commencer quoi? Est-ce que je commençais le maillet gelé ou je me souviens plus hein, de ce que j'ai fait hier. Vous allez voir, de toute façon, hop, j'ai repris quelques popos. Donc là avec ma cape solaire, je suis tranquille. Voilà, je suis à 13 assises pour le moment. Hop, là j'y vais, j'engage, boum. Là, je vais mettre le KU. Voilà. Là, je vais mourir comme un con, je suis retourné dans la zone. Mais de toute façon, même si je serais pas retourné dedans, il m'aurait pas glissé, je serais mort aussi. J'ai fait un peu fait le con, mais j'ai fait des assists. Je suis passé de 13 à 17 assists. Tac. Là. Ça peut être la tower. Là, je vais ripop. Du coup, j'ai pris une lame de Doran. Enfin, une lame de Doran, une épée longue en attendant. Histoire d'utiliser un peu mes golds et de commencer un autre item. Donc là, je crois que j'étais en train de commencer la lame du roi déchu en même temps. Mais j'essaie quand même de partir à tank un maximum. Pour avoir full l'état. Donc là il y a le Darius qui s'amuse, il a fait un petit triplé, quadruplé. Normal. Il a pas eu le pintard. C'est triste. J'ai téléchargé le recorder parce que il y a quelques jours. J'ai fait un beau pinta en Aram et j'étais triste de pas avoir pu le revisionner après, donc c'est pour ça.
avec Garen. C'était assez drôle. Hop là. Donc là, je suis full life, je suis revenu, je suis chaud. Des kills, le Darius est à 12 kills, ça se passe bien. En face, le Taric, il est mort 8 fois, il a pris 0 kill, il est un petit peu en dessous. Voilà, au niveau des kills, on a de l'avance, hein, 33 à 16, c'est assez tranquille. Allez, là on essaie de les faire venir sous la tour, comme d'hab, comme ça on les engage. Là, on y va. Merde, j'ai eu une minute. Ça fait mal. On finit une minute, allez, allez. Voilà. On va encore faire des assists. J'ai pas pris de kill, je suis à 20 assists. Là, je vais essayer d'aller le choper. Voilà. J'ai deux minutes. Voilà. C'est dommage que les autres n'ont pas suivi derrière parce que sinon on leur aurait roulé dessus. C'est ça qui est un peu chaud, c'est souvent on se fait pas suivre. Alors, c'est pour ça que j'évite de trop engager. Souvent je laisse la queen en engage, comme ça je suis la queen et tout le monde vient. Et puis bon, on est dans le cas, on leur roule dessus quoi. Donc alors voilà, j'ai fini mon présage de Randuin, je ne sais même pas comment on le prononce. Moi je dis Randuin. 500 PV en plus, ça fait pas de mal. Ils ont fait un doublé en face. Voilà, va prendre de la vie. Donc en face, ah, ils sont presque tous niveau 12. On est 12 aussi. Là, niveau 13. Au niveau des niveaux, on n'a pas forcément le dessus, enfin c'est qui bah là je me suis un petit peu défoncé la gueule, je m'enfuis, je vais sauver la terreur, là je reviens mais... voilà voilà, j'ai eu le Vlad normalement, 9 kills, 22 assists. Ça c'est bien parce que je suis allé, je me suis fait casser la gueule, je suis revenu derrière, tout le monde de mon équipe a suivi et bim, là on aura roulé dessus. Donc il reste plus que le Graves. Est-ce que c'est maintenant que je me souviens que j'ai fait un joli team move contre le Graves, il a voulu faire le malin. Voilà, normalement c'est là. C'est pour ça que j'adore Vini. Là, mon A est ulti, clairement. C'est tranquille. Bon du coup c'est Darius qui a pris le kill, hein, dommage parce que j'aimais bien mon action. Mais c'est ça que j'aime bien avec Vi, son ulti est vraiment pratique, on met un petit A, ça nous propulse sur l'ennemi, l'ulti, Soulstone, bam. Il suffit que l'ennemi soit un peu loin et on peut le rattraper facilement. Donc je suis assez content. Et c'est ça que j'aime bien avec Vi, maintenant que bah, c'est mon main, maintenant que je la joue depuis pas mal de temps, je commence à avoir des petites mécaniques de jeu. Je joue encore comme une merde, hein, mais... Je vois bien quand je fais des games avec lui, quand j'en fais pas avec lui. Donc là, hop, le menu. Je vais doubler, non? Je vais le doubler. J'ai un peu déçu. Je vais le doubler ici non plus. Parce que je vais avoir le... Voilà. Bon, du coup, ça me fait pas mal d'assists. Hein. Je suis à 10 kills, 27 assists. Léona est pas mal aussi au niveau des assists, 32. Et en face, le Taric est clairement dans le fond. Il est mort 11 fois. Oula, Darius il a pris cher. J'ai pas réussi à le choper, mais c'est pas grave. Je dois avoir un peu de gold de côté là, du coup, donc. Je vais attendre un peu, mais. Je vais me reprendre du stuff. Je vais pas me suicider bêtement, tant que je peux rester en vie maintenant, je reste en vie. Parce que au niveau stuff, j'ai de quoi faire pour gérer un peu. Là, il a fait son grab. Et là, la tourelle, elle est mal en point.
le petit soin qui fait plaisir. On engage. Ça a pas suivi. J'suis un peu déçu quand je fais ça parce que du coup j'essaye d'engager mais personne suit. C'est un peu triste. Hop, je reviens dans 18 secondes. Ah, il s'est fait casser la gueule. Ils ont reculé. C'est ok, j'ai arrêté de serrer, mais ça va. Moi, hop. Du coup, j'ai commencé encore d'avancer sur ma lame du roi déchu. Là, j'ai un petit peu de régène, de bonne vie. Donc, péter deux de nos tourelles. Là, c'est le moment d'y aller. Ils sont pas sous tourelles. Ils ont pas toute leur vie. On y va. J'ai fait une brave, on va nous prendre un coup dans la gueule. Encore des assises, 28 assises. Oui, je vais aller chercher. Voilà, j'ai pris le Taric et le Graves. Je le veux, mais il est dur à avoir. Je vais laisser venir. Je sais même plus si je vais réussir à l'avoir, mais je le voulais. J'étais un peu déçu qu'il parte comme ça. Je voulais faire un petit doublé. Au niveau kill, je suis à 11 kills. Hein. Là, on les laisse venir. Grave direct, je vais le chercher parce que j'étais dessus. Donc j'ai pris le Grave. Ensuite on va sur le Vlad. Hop, j'ai fait le doublé. Le triplé. J'ai pas le triplé. Si. Non. Bon, presque kill. 32 assists. Au niveau des sbires, là je m'en fais un petit peu. Ça me soigne, ça fait du bien. Ça fait un peu de gold, mais bon. On va chercher la tour, ça serait bien. Voilà, la tour a été détruite. Là, ils arrivent à 2, mais on peut clairement les gérer. 3. Hop. Bon, là, j'ai plus de vie. J'essaie de me casser. Je vais y arriver, oui. Part avec 100 HP quoi. Je vais aller chercher tous les soins. Je vais revenir. En attendant, on regarde ce qu'ils font là-bas. Ah, ils protègent leur inhib. Hein. On les fait revenir un peu vers nous. Hop, on est chaud. J'ai 1200 points de vie. En teamfight, c'est vrai qu'on n'est pas tout ce qu'on fait. Hop, là, allez, go. Bon. J'aurais bien voulu l'avoir. C'est pas grave, j'ai racheté du stuff. Tac. 33 assists. 14 kills. Voilà, ma lame de roi déchu, elle est finie. Je continue d'avancer pour le maillage lait parce que 700 points de vie, c'est pas mal. Hein. Ça fait du bien.
Voilà, moi je suis revenu. Là on est bien au niveau des niveaux, on est tous 17 sauf la queen. On les a pris notre inhib, mais ça veut rien dire. Allez hop, on y va. Hop. C'est un skill. Lui, je le veux. Je laisse le soin au Darius, il en a plus besoin que moi. On tente de doubler. Mais non. J'suis un peu deg. Bon, c'est des petites actions comme ça qu'il faudrait que j'évite un peu de faire des fois de temps en temps. Mais bon, c'est une arame. Hein. J'aime pas les laisser partir. Encore une fois, c'est dommage qu'il m'avait pas suivi parce que juste le Darius aurait été avec moi, ça l'aurait fait. On a un peu les deux qui arrivent à la game. C'est pas mal aussi pour Annie qui était niveau 13 qui débutait. Elle était à 12 kills, 5 morts et 31 assists. Ça passe. Elle a plutôt géré puisqu'en face, je sais pas si c'était niveau combien, mais il se débrouillait quand même. Moi. Hop, non, on y va. Là, c'est bien. Hop. Un kill sur ses skills. Est-ce que j'ai trouvé? Hop. Je suis mort, mais je fais un kill. Bon, il monte un truc en face. En 5 assists. Le quadra. Là, le Darius, il va troll. Il va essayer de s'approcher. Bon, me revoilà. Hop, j'ai mon maillet gelé. Donc là, c'est parti. Le Nunu. Le Graze. J'ai moi qui ai une Graze normalement. Parce que je prends un coup de heal. Voilà, la Nunu qui continue de faire des heals. Et le Vladimir. Voilà, 18 kills, je suis assez content. J'ai un peu mort trop de fois, mais bon. Ça m'a permis d'aller racheter du stuff un peu régulièrement. Donc c'est pas plus mal. Parce qu'avant, je faisais des games où je traînais, je mettais le temps à mourir. Du coup, niveau stuff, bah, je me faisais rouler dessus après, quoi. Là vraiment quand j'ai trop de gold au départ, hein, je fais comme ce que j'ai fait en début de game, là je me suis suicidé. Je vais avoir 4000 gold, je vais direct c'était prendre ma cape solaire et j'ai avancé un petit peu. Donc là on y va. Dans 7 secondes. Hop. Je prends des assises, je fais 40 assises. Toujours des assises, je prends toujours pas de kill. Et de 19 kills. Là, je prends l'inhib. Le Darius et moi, on est un petit peu tranquille là. Lui, il a 22 kills, 7 morts comme moi et 29 assists. Voici, je suis vraiment bien là. Là, on va un peu s'amuser. On fait les tours. Et là, on va les gangbang. Ça va être assez drôle. Là, je survis. Hop. Ma vie, elle descend, mais... J'ai 200 HP, je continue. Hop. On les tue. Voilà. Encore une assist.
bah, Vladimir il essaye de venir, mais non. Voilà quoi. Et voilà, une petite victoire. 19 kills, 7 morts et 45 assistances. C'était pas mal, une belle petite game. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, petite game de League of Legends. Dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres, parce que c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, hein, donc tenez-moi au courant si ça vous intéresse d'en voir d'autres. Sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me donner vos astuces, vos conseils dans les commentaires, parce que je suis encore que niveau 20-26 maintenant. Donc, j'ai pas encore la meilleure manière de jouer. Voilà. Allez, bisous, Stacy, bye bye.